Il y a vraiment une incompréhension. Effectivement, vous avez affirmé moult fois que vous étiez contre la GPA. Et vous ne faites rien pour affirmer concrètement la manière de l'éviter. Et je dois dire que ça nous remémore le débat qu'il y a eu sur le mariage pour tous. Parce que nous avions dit que notre problème, c'était la GPA. Et rappelez-vous ce débat alors. Il y avait des grands flottements dans vos rangs. Il y avait certains d'entre vous qui n'osaient pas dire qu'ils étaient contre la GPA. Et je dirais même certains exprimaient clairement qu'ils auraient eu envie de voter en faveur de la GPA. Et donc c'est parce que vous avez créé le doute qu'il est nécessaire aujourd'hui de clarifier les choses. Le Premier ministre, certes, l'a clarifié, mais rappelez-vous ce qu'il disait en 2011. Il disait exactement l'inverse. Et donc à partir du moment où vous voulez dire fermement à tous les Français que vous êtes prêts à lutter contre la GPA, à ce moment-là, il faut que vous soyez favorable aux propositions que nous vous soumettons aujourd'hui. Et nous ne comprenons pas pourquoi vous faites ce combat de résistance complètement contradictoire avec les affirmations que vous faites par ailleurs.